Salut les gens, c'est Tardarine, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Augsbourg dans le but de faire le succès Fugger Banking, en anglais, donc la banque Fugger. Et dernier épisode, on avait récupéré 4 provinces au nord qui sont dans 3 états différents, sinon c'est pas drôle. J'ai regardé pendant l'entre-deux épisodes ce qui nous était possible de faire d'un point de vue diplomatique et je pense que malheureusement on ne pourra pas vraiment s'étendre en swab. Ce sera très compliqué. Le temps qu'on arrive à 50 de faveur avec l'Autriche, ça va mettre beaucoup de temps. Ça va mettre beaucoup de temps, donc on va continuer à se développer tranquillement dans les autres secteurs. Et on verra comment on va pouvoir ensuite tirer notre épingle du jeu, sachant que j'aimerais vraiment aller récupérer. Bah, cette province d'or là, les monts métallifères, ça m'aiderait pas mal. Dans l'idéal, il faudrait également aller récupérer Intal et peut-être même aller jusqu'à On, mais alors là, ça nous mettrait en friction avec les Ottomans. J'ai pas franchement envie. Donc, on va voir comment on va se développer. Ça se trouve, ça va être très difficile et il faudra attendre encore quelques décennies pour y arriver. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, on va se remettre dans la vue commerciale. Ici, dans la vallée du Rhin, on va repasser en rapprochement. On est à la fin de l'année. On va prendre un petit 15% en plus pour faire baisser l'expansion agressive qu'on a un peu dans le secteur. C'est une très bonne chose. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est au niveau de nos ordres. On va faire une convocation des États. On va voir ce que ça va nous apporter comme mission. Alors, une église à Norlinge, bof. Un château, bof. De la production à Norlinge, bah. Ça va se finir probablement en église à Norlinge. C'est ça qui m'embête le moins. Et vous aurez remarqué que du coup, ça nous a fait passer le cap des 60% ici, ce qui nous permet d'avoir 10% de coût du développement en moins. On avait 7,5 juste avant. Donc, je ne vais absolument pas cliquer sur la confiscation des terres maintenant, bien au contraire. On va d'abord aller développer un petit peu notre capitale. Et je crois qu'ici on a quoi? Coût de développement provincial moins 10%. Eh ben je crois que je vais la prendre. S'applique en contrée de Souabe orientale pendant 25 ans. Hop, 10% encore en moins. Hop. Alors bien évidemment, ça nous a fait booster un petit peu la province, mais l'un dans l'autre, on devrait s'y retrouver. Allez, coût du développement provincial, moins 10. Alors, on se trouve à 41. Ça nous fait quand même un bon paquet de bonus, hein. 10, 20, 30, 40, 50. 58, non, même plus. 59,2% de réduction. C'est plutôt correct. À côté de là, on est à 33, 29. Ça va nous coûter un petit peu plus cher, mais je pense que c'est plutôt bonne chose. Là, on est à plus 0,25 par mois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Si j'attends un mois de plus, je peux refaire un point ici en diplôme. On va le faire. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Hop. Ensuite, on augmente ici. Ça nous coûte maintenant 78. On est à 63% de développement de la Renaissance. On est plutôt bien. Donc maintenant, je vais me calmer sur le développement. On ne va pas utiliser trop de points non plus parce que on a des technologies qui vont arriver dans 4 ans. Donc là, il va falloir qu'on commence à accumuler un petit peu de points si on veut pouvoir s'en sortir. Je n'utilise pas mes points admin, je vais impérativement débloquer la productivité de 2% et le premier rançon de doctrine, même si techniquement on va pas pouvoir l'utiliser tout de suite, mais on est quand même grave en retard, donc ce serait bien si on pouvait faire un petit peu attention à ça et donc ne pas utiliser trop nos points ici. Donc je retourne dans mes ordres. Eux, ils vont râler. C'est la vie. Hop, on va aller leur mettre une petite baffe dans la tête. Hop là, parfait.
Ça c'est réglé. On peut retourner là-haut. Ici, je vois une forteresse. Je vais la garder tant que la dévastation est pas redescendue. Mais après, on la supprimera. Parce que là, pour l'instant, avec la forteresse, on passe à moins 0,91 par mois. Donc dans 6 mois, on retirera la forteresse. Elle coûte beaucoup plus que ce qu'elle ne nous rapporte. Hop. Et ici, on est repassé au-dessus des 30%. Ah ah ah! Bien, donc on n'a plus de malus. On n'a plus de malus, c'est parfait. Et on va laisser remonter tranquillement ici les points d'équilibre de la loyauté. Ça reviendra vite fait, bien fait. Plus 2 d'agitation dans le pays, c'est pas top, mais bon, on va faire avec. Hop là. Très bien. Pendant ce temps, on est en train d'augmenter notre réseau d'espionnage sur Mayence. C'est parfait, ce sera notre prochaine cible. Pas tout de suite, mais ce sera notre prochaine cible. On recommence à gagner du pognon, c'est parfait. Je vais passer vitesse 5. Requête des ordres. Ah bah ça tombe bien, j'avais déjà lancé une église à Norlinge. Excellent. Du coup, eux, ils sont passés à 61 et 85. Ça devrait nous redonner un petit boost ici. Ouais. Éducation éclair plus 21%. C'est parfait ça. Bon, j'ai pas regardé ce qu'on allait prendre ensuite. Je vais laisser le temps passer. Espérance de vie moyenne du dirigeant. Tout nouveau dirigeant va déclencher un événement concernant l'éducation des futurs héritiers. Ah, ça pourrait être sympa. Expulsion de nos marchands. Donc la bohème serait pas contente ou la bohème serait contente. La bohème sera pas contente. Ok, coût des conseillers moins 15, c'est toujours intéressant. Puissance des missionnaires, absolutisme, coût de maintien des missionnaires, c'est pas intéressant. Et ici, coût des doctrines, propagation de l'institution dans les provinces de la véritable foi. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. J'hésite entre ça et l'espérance de vie moyenne du dirigeant, ça m'intéresse pas des masses. J'hésite. Parce que éduquer l'héritier, c'est quand même assez sympathique. On verra. On verra, on verra. Alors ici, ça nous donne quoi? C'est bon. On a fini de réduire le. Hop, on peut supprimer ça. Et ça devrait bien booster notre économie. Plus de 80, bah oui. C'est parfait. On a quasiment fini de légitimer en plus les provinces qui sont ici, donc on va avoir une meilleure, un meilleur prestige parce que pour l'instant c'est pas foufou. Vente de titres. Ah ça c'est bien ça. En plus on gagne un stab. Je voulais en plus gagner de la stab, c'est parfait. Alors là c'est toujours recruter le général, pour l'instant on n'en a pas besoin, le nôtre il tient le coup. Appel aux armes. Demande que nous venions à son aide dans la guerre d'unification autrichienne contre Milan. D'accord, bah pas le choix, j'ai envie de dire. Je pense que Milan, ça va faire chier. Alors du coup, ça veut dire que l'Autriche va récupérer également Brégance. Ça fait chier, ça. Ça fait grave chier. J'ai l'impression qu'il nous a appelé vraiment en dernier. Il a d'abord fait venir tous ses alliés avant de nous faire venir nous. Soit. Les guerres d'Italie. Nous, on va rester sagement ici, hein. S'il pouvait perdre, ça m'arrangerait. Mais bon, j'en doute, hein. Parce que là, Milan, il s'est pris qui sur la tronche? Autriche, Württemberg et Augsbourg. Ah, il a peut-être une chance de s'en tirer. S'il se débrouille bien.
Hop, ici 31%. Basse Franconie, on peut pas faire de revendication sur autre chose que la province. Hop là, donc toi tu peux revenir. J'ai des revendications sur pas mal de monde autour de moi. Je pense qu'on va aller voir ici nos alliés. Non, il veut pas, parce qu'il n'est pas encore revenu. Hop là. Et il commence bien évidemment par l'Autriche, qui est celui où on a déjà le plus de bonus. C'était clairement le truc le plus utile à faire. Nuremberg essaie de faire un réseau d'espionnage chez nous. Très bien. Politiques incomprises, moins 25 de réforme gouvernementale ou instable. Ça sera la réforme gouvernementale, désolé. Alors, je vais réduire un peu la vitesse parce qu'il y a des armées qui se dirigent à peu près partout, y compris vers chez moi. Ça ne m'intéresse pas trop de voir des gens traverser mon pays comme ça. Ah, mes troupes sont intelligentes, elles fuient. Par contre, elles sont intelligentes, mais pas trop. Allez, on va dire qu'on a participé à la guerre. On sera pas fanny. Excellente année. 433 réserves supplémentaires. Bah, ça tombe plutôt bien. Moi, je vais les prendre. Nouveau pape fidèle à la France. Bon, là ils sont en train de se barrer, je sais pas trop où. Moi j'ai envie de dire, on a d'autres choses à faire. Falsification de documents. 50 points de mine et de la corruption ou 5 en dévotion. Ah, 50 points de mine, évidemment, 50 points de mine. Hop là, parfait. Et donc maintenant on va pouvoir se poser la question de notre premier ensemble de doctrines. Je crois qu'ici, on a quelque chose qui nous permet de faire de la conversion culturelle à 10% moins cher. Ça m'intéresse dans la mesure où je vais peut-être faire également de la conversion culturelle en prenant de la doctrine religieuse. Je sais pas, j'hésite encore, sachant qu'on aurait quand même bien besoin d'avoir des doctrines orientées vers la progression. Donc maintenance des états, gain de prospérité, coût de construction, coût de développement des infrastructures moins 25%. Coût d'amélioration des carrefours commerciaux, coût de gouvernance des États, parce qu'on va probablement faire pas mal de fois des coûts de développement d'administration moins 100%. On risque de faire pas mal de fois ce genre de petits trucs, vu qu'on va pas jouer très vaste, donc on va avoir pas mal de capacités admin, donc autant partir là-dessus. Mais d'un autre côté, pour l'instant on a pas mal de points. Je pense que je vais attendre. Je vais voir comment ça se goupille au niveau des techs là, voir comment on s'en sort, et en fonction. J'aviserai le moment venu où on sera en capacité de prendre des doctrines, voir laquelle on prendra en premier. Pour l'instant, on n'est pas pressé du tout. Coût d'adoption des institutions, propagation des institutions. C'est bien ça. Propagation par les cardinaux, mais je crois que nous, des cardinaux, on n'en a pas. Non, on n'a pas du tout des cardinaux, nous. Grâce aux cardinaux contrôlés, zéro. Ouais, on n'a pas de cardinal. Après, le plus 25% de propagation des institutions, ça m'intéresse. Ouais, ça marche. Ça fonctionne très bien. Donc on l'aura en 69, dans 5 ans. Un peu tard, mais c'est mieux que rien. Allez, ici.
stabilise un petit peu les choses. Et je vais même me permettre. Alors, j'aurais bien aimé baisser le coût des armées pour gagner encore plus vite de la thune. Mais on gagne déjà 2,65. Alors, si on gagne 2,65, c'est-à-dire qu'on peut se prendre un petit conseiller ici. Amélioration des relations. Oui, on prend ça. Ça, c'est parfait. Ça va bien nous aider. Requête des ordres. Alors, petite pause. Stabilité d'au moins 3. Non. Réserve militaire d'au moins 12. Ah, Ulm, 8. Stabilité de 3, c'est mort. Ulm ou Augsbourg? Alors, Augsbourg, ça coûte très cher. Ulm, ça coûte moins cher. Donc, ça sera ça. Mais on n'est pas pressé, on va attendre le dernier moment, bien évidemment, pour le faire. On a jusqu'en 84. Ou 74? On ne sait plus. 84 ou 74? Ok. Parfait, l'influence de tout le monde a commencé à diminuer un petit peu, c'est plus raisonnable déjà. Alors l'Autriche s'est fait plaisir, elle a bouffé bien évidemment toutes les petites bébêtes qui sont à côté. Ça m'enchante pas trop. Mais bon, faut bien faire avec. Allez, on peut repasser vitesse 5. Là, je vois 5000 hommes là-haut qui traînent. On va dire qu'on s'en fout un petit peu. Tu vas revenir. On va améliorer avec la Saxe. Alors, fin de la guerre. Brégance, cède Brégance à Autriche. Bon, dans tous les cas, ici, on est râpé. Et du coup, l'Autriche a réussi à avoir son union personnelle sur Milan. Elle va avoir une belle expansion agressive. Elle s'en tire plutôt bien. 31. Franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Plus 33 de faveur. Ah, ça aide, c'est bien. On va arrêter progrès temporairement. Ensuite, on va s'attirer les faveurs de la Saxe, parce qu'elle aussi, on a besoin d'aller jusqu'à 50. Mais avec elle, ça progressera probablement plus vite. Vu qu'on a plus de troupes. Parce qu'il va falloir qu'on aille taper la S. Saxe, Goslar et Berg. Ok, pas grand chose. C'est intéressant. Alors, ici. Bah oui, évidemment. Évidemment, évidemment. On est en train de perdre de la... de l'innovation. Bon, c'est pas bien, bien grave. On devrait s'en sortir. Dans le secteur, on va modifier ça. On va passer en accroissement de la modernisation. J'aurais dû le faire plus tôt d'ailleurs. De mémoire, j'ai aussi une trêve qui a pas tardé à expirer. Ah oui, c'était avec Bayreuth, mais Bayreuth est allié à la Bohème, donc on peut pas vraiment lui tomber dessus. Lui, on peut pas lui tomber dessus à cause de l'Autriche.
Donc, il nous reste vraiment que lui à pouvoir taper, puisque lui est allié à la Saxe, pour l'instant. Ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Tu veux 10 pieds 7? Allez, je te file 10 pieds 7. Avancée technique. Du point de mine, oui, on va prendre. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que de 29, ça commence à coûter cher. S'il nous reste 29, hop, tu reviens. 116, 80, c'est avec toi qu'on va améliorer les choses. Il est aussi allié à la Bohème, lui. Alors, la Bohème est alliée à Landshut. Elle garantit Munich. Elle est alliée à Bayreuth. Faut qu'elle se calme. Anhalt, Florence. D'accord. Donc c'est juste histoire de bien casser un peu les pieds. Alors, nous, ça donne quoi? Eh ben, on n'a plus du tout d'expansion agressive. Donc, c'est clairement le moment de retourner taper quelqu'un. À savoir, Mayence. Mayence et ses petits alliés, Cologne, Liège, Rothenburg. On va essayer de se les faire sans la Saxe, mais je crois que ça va être compliqué. Le Palatinat ne veut pas venir. Attitude envers les ennemis. Bah du coup, on va prendre la Saxe avec nous, hein. Cologne, Liège et Rothenburg, ça devrait le faire. On va commencer par aller casser Rothenburg. 4000 hommes en moins, ce sera toujours ça de gagner. J'indique quels sont les territoires que je veux pour moi. En vrai, je les veux tous, hein. Si on peut récupérer en passant un petit peu de. Comment on appelle ça? De piège de capital, moi je dis oui. Il y a une forteresse de niveau 3 ici. Ils ont eu le temps de se créer une forteresse de niveau 3? Les petits. Ah bah eux aussi. Oh la vache. À croire qu'ils ont du pognon à perdre. Allez, on leur saute dessus. Hop, là on leur saute dessus également. On stack wipe, on stack wipe. Ah oui, on va pas les stack wiper malheureusement. Je ne peux pas aller ici. On va demander l'accès militaire. Maintenant, on peut aller ici. Ah, ils s'en sont allés là. Eh bah, allons vite. Stack wiper ce qui reste de leur armée. Très bien. Donc, face à nous. Il reste 10 000 hommes. Alors on va commencer par les sortir un par un. Et ils ont quasiment tous des forteresses de niveau 3 maintenant. Ça rigole plus. Ok, alors je vais retirer l'accès militaire maintenant, j'en ai plus besoin.
vais aller prendre la province là-bas pour faire du score de guerre. On va aller se caler sur la capitale là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a Liège là qui est en bas. Je ne m'inquiète pas. Je vais me faire une petite troupe en plus pour pouvoir assiéger facilement. Même deux troupes en plus. Alors, le bûcher des vanités, 10 de dévotion ou 5 de prestige? 5 de prestige. Ah, on a bientôt l'institution là-bas. Landshut, est-ce que tu peux aller ici, s'il te plaît? Bien évidemment, la réponse est non. Alors toi, est-ce qu'on peut te sortir de la guerre? Ce serait cool. Non, pas encore. Alors, on va faire une petite transition. On va mettre le cavalier là-bas. C'est pas moi qui ai le siège, de toute façon. Toi, tu vas repartir. Oup. Toi, tu vas repartir là-haut pour aider nos troupes. Je suis content, notre général il tient il y a vachement longtemps. Ça me va à merveille. Vague d'obscurantisme. 5 points admin, 10 de prestige ou 2 d'agitation. On va pas perdre des points admin, on va perdre un peu de prestige, tant pis. Alors, nouvelle tech. Moi je dis. À ce niveau-là, on peut se permettre d'attendre. On va peut-être même se faire des impôts de guerre. Le temps de. Histoire de regagner un peu de sous. Parfait, et maintenant on va appeler le Palatinat à l'aide. Et on est reparti s'attirer des faveurs auprès de la Saxe. Maintenant que tout Mayence est pour nous, on n'a plus vraiment à s'inquiéter. Parfait, allez, on passe en vitesse 5. Le commandant nous a quittés. Ah, ça c'est embêtant. Il est malhonnête, corruption annuelle plus 0,5. Non! Non, c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Vivement qu'il crève. Vivement qu'il crève, et on peut bien évidemment pas du tout le mettre à la tête d'une armée, sinon c'est pas drôle. Alors eux ils nous aiment comment? Ils nous aiment. Ah ils nous aiment pas beaucoup beaucoup hein. Leur point d'équilibre il est où? Il est à 52. Mais c'est tout pour Ave. C'est tout pour Ave, tout pour Ave. Eh bien. On va quand même se prendre un nouveau général de tradition 40.
Et il est vraiment pas ouf. Mieux que rien, mais pas ouf. Ah, parfait. Déjà un de moins. Alors, je peux adopter l'institution. Eh bien, je vais le faire. Hop là, comme ça, tout va me coûter beaucoup moins cher. Parfait. Ici, dans l'état, on peut retirer, à mettre aucun édit. Très bien. Et je sens que du coup, on va partir en première doctrine sur du militaire. Je pense que la doctrine divine va être intéressante. On va juste prendre le temps de regarder un petit peu ce que ça va nous donner. Morale terrestre plus 10 avec les religieuses. Ouais, bof. Influence, missionnaire et aspiration à la liberté. Alors, pourquoi pas? Administrative. Non, on ne prendra pas les administratives. Les humanistes, hérésie et paganisme, bof. Commercial, efficacité commerciale, amélioration des relations. Ça peut être intéressant. Maritime, on ne prendra pas. La cour, on ne prendra pas. L'expo, on ne prendra pas. L'extensionnisme non plus. Novatrice, attrition terrestre et modif de production plus 5%. Ah, ça pourrait être sympa. Infrastructure, plus un missionnaire et prestige par développement grâce au missionnaire. C'est pas foufou ça. Capacité de siège plus 10, niveau de contribution de l'artillerie de siège plus 1. Ça peut être intéressant avec de l'espionnage. D'avoir si on prendra de l'espionnage. Avec l'économie, c'est le coût des légitimations et l'année de séparatisme. Et avec la diplo, c'est la réputation et l'influence sur le pape. C'est assez versatile, pourquoi pas. J'aurais dire pourquoi pas. Après. On pourrait prendre également le mercenariat. Je peux former des états clients. Eh bien, avec les doctrines d'influence. Contribution des vassaux limite des forces. Ouais. C'est pas ça qui va m'intéresser. Parce que j'aimerais bien avoir quand même quelques vassaux. Parce que si on peut pas avoir des provinces en propre et nous interdire d'avoir des vassaux. Pour devenir plus puissants et les faire raquer à fond. En augmentant le. Comment on appelle ça, la contribution financière des vassaux. Et pour l'instant, je vais pas avoir grand-chose. Naval, quantité, bof. Si on prend de la qualité. Efficacité commerciale, plus 15%. Professionnalisme manuel, avec l'infra. Ouais, il n'y a pas grand-chose de fou. Revenu versé par les vassaux, plus 25% avec les doctrines d'influence. Ça pourrait être sympa. Donc on pourrait prendre la qualité en early. Mais à côté de ça, ici, quand même. Coût du développement, plus dévotion annuelle. Dommage de feu subi. Réduction de lassitude de guerre. Ah non, coût de réduction de lassitude de guerre. Coût des commandements, moins 10%. Ça peut être sympa. Dommage au moral subi, moins 10%. Coût de conversion culturelle. Coût pour impasser la conversion à l'issue d'une guerre moins 30, pas mal, l'agitation de pays moins 2, c'est très bon ça. Prestige tiré des batailles et réserves militaires dans les provinces de la vraie foi, et ensuite on finirait avec puissance des missionnaires et point d'équilibre de la loyauté des clercs. Oh, je pense que ça pourrait partir là-dessus. Ça pourrait partir là-dessus. Mais la qualité serait vraiment intéressante aussi. Parce que si on prend par exemple les doctrines d'influence, où est-ce qu'elles sont cachées? Je ne les vois plus. Influence, puissance démissionnaire, aspiration, liberté, dépense, moins 10. C'est pas foufou. C'est pas foufou, c'est pas foufou. Mais bon. Il y a quand même des bons bonus hein, sur les trucs divines. Allez, on va partir là-dessus. Ce serait un bon start de mon point de vue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a réputation diplomatique et amélioration des relations. Ça, on va le garder un tout petit peu. Allié de confiance, réputation diplomatique, on va le garder aussi un tout petit peu. Alors, avancée commerciale, oui. Memmingen n'est plus un rival valable. J'ai éclipsé Memmingen, c'est très bien. C'est très très bien. Toi, tu vas revenir du coup. Memmingen.
Levez l'embargo. Je me disais bien qu'il était un peu petit quand même. Même si c'est pas vraiment ça qui a fait la différence. Palatina. On améliore les relations. Ah oui, c'est vrai que je peux faire la paix avec... avec Cologne. Demandez la paix. File l'argent. Je connais que 16. C'est vraiment pas beaucoup. Des repas de guerre, ouais. Je peux piller sa capitale? Non, ça ne nous rapporterait rien. Et enfin, deux petites rivalités pour avoir plus de prestige. Hop là, ça c'est fait. Si je lui remettais un commandant à celui-là, ça serait pas mal. Il a pas de siège. C'est pas très très utile. Je vais envoyer les Mercos là-dessus, comme ça si le siège est levé, j'aurai au moins une troupe dessus, prête à intervenir. Bord du philosophe. Ok. Ça me permettra de refaire un petit peu de pognon. J'en ai pas un qui réduit l'inflation. Non, ça aurait été trop beau. Ok, donc Palatina, on améliore les relations, disais-je. Bien, je pense que l'héritage bourguignon n'aura pas lieu. Ça me surprendrait en tout cas, vu la tournure des événements. On a une magnifique capitale à 32 de dev. Ce qui est plutôt cool. Là ici ça va bien progresser rapidement. Ça va progresser partout, c'est parfait. Je ne m'inquiète pas. Allez. Soutien à l'école florentine. Prestige annuel plus 1. Ou perte de 5 de prestige. Non, on va pas le faire. Je préférais garder mes sous. Hop, fin du siège de Liège, c'est parfait. Allez, on se barre. Demandez la paix à Liège. Toi, reviens. Donc, les repas. Le pognon, j'ai touché 14 balles sur les 70, c'est vraiment pas intéressant. Et colonie et trêve, ça semble pas mal ça. Hop, on a gagné un petit peu de prestige. C'est vrai que le prestige, on se le partage à chaque fois, même s'il y a marqué 12, c'est pas 12 pour nous. Fin du siège de Rottenbourg. Parfait. Donc, voyons voir ce qui se passe. 40. Bah c'est parfait, on va tout prendre. Ça nous coûtait 123 à légitimer. On va prendre le pognon. Mayence renonce à sa légitimité sur Erfurt. Bah écoute, oui. Oui, oui. Moi ça me va. Sur les 42 pognons, je touche combien? Je touche 8. Ok, ça me fait 17 de... Hop. Let's go. Je légitime tout de suite. Ça nous fait reculer un peu pour les ateliers. Mais c'est pas grave, c'est reculer pour mieux sauter. Bah voilà comment on devient gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 provinces, il nous en reste plus que 9 à récupérer. Va falloir bien choisir. Peut-être que certaines, je les refilerai à d'autres, à des vassaux par exemple. Bon, je pense que là, je vais essayer d'aller récupérer la totale. Là, on a tout, donc on pourra en faire un état. Semblera pas mal. Je pourrais peut-être même concentrer le développement. 8 points de développement vont être prélevés en état de basse Franconie. Ça va dire de faire 1-1-1 sur la capitale. On va pas le faire. De toute façon, toutes nos provinces doivent être bien améliorées. Donc là, on en aurait 4, 8. 8 et 5, 13. Là, on serait à 17. Ça va être compliqué. Peut-être que côté Bamberg, on va peut-être récupérer les provinces, refiler ça ensuite à un vassal, une fois qu'on aura récupéré des provinces côté Bohème, parce que là on a 8 jolies provinces à récupérer, ce serait intéressant. Alors, améliorer les relations. Bon, bah une petite guerre qui s'est quand même plutôt bien passée, hein. Württemberg n'est plus un rival valable. Quelle surprise. Quelle grosse, grosse surprise. Lever l'embargo. Du coup, il me reste quoi comme. Il me reste Nuremberg. Il y a Nuremberg qui est valable. Incompréhensible. Ça n'a aucun sens. Peut-être parce qu'il a embrassé la. Oui, bah oui, voilà, parce qu'il a. Il a embrassé la Renaissance. C'est pour ça. Mais après, en termes de dev. Ah, il a 20 quand même de dev. Belle province. Belle, belle province. Amélioration des relations plus 15%, ça pourrait être utile parce que j'ai quand même pas mal d'expansion agressive. On va peut-être la faire cette mission-là. Plus de réputation diplomatique. Allez, je prends. Ici, il faudrait 8 provinces en swap. Ça me filerait quoi? Des revendications perpétuelles. Pas spécialement ce qui m'intéresse. Plus de. Ouais, il faudrait vraiment se développer en direction de l'ouest. Ça m'intéresse pas plus que ça. Surtout que j'ai pas l'intention de former la swap ou quoi que ce soit d'autre. Donc bon. Parfait. Ensuite, on aurait la Suisse comme rival valable, je pense. La Bohême, le Brandebourg, le Brunswick, Munich, la Saxe et la Suisse. Alors ça va se réfléchir, toujours garanti par la Bohème celui-là, mais quel enfer. Lui est devenu vassal de la Bohème. Sans surprise. Ah, alors du coup ça voudrait dire. Est-ce que j'ai déjà une. J'ai pas de revendication là-dessus. Il y aurait peut-être un. Il y a peut-être un coup à jouer. Il y a peut-être un coup à jouer. On va faire ça comme ça. Parce que vu que lui, il est vassal de la Bohème, Anhalt, Florence, Landshut, ça va, c'est pas des gros gars. Il y a peut-être moyen qu'en faisant une revendication sur Bayreuth, on puisse attaquer la Bohème. Et du coup, l'Autriche pourrait venir. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Je pense qu'on va faire ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la Bohème en rival. Je sais, ça peut paraître surprenant. On va lui imposer l'embargo. Là. Lui, il doit grave me kiffer, on a un rival en commun. Pas suffisamment de rivaux. Oui, alors du coup, le prochain, bah je pense que le prochain ça va être Munich.
Parce que les autres, ça m'intéresse pas vraiment. La Suisse, ça m'intéresse pas du tout. Mais Munich, il est juste à côté, ça pourrait faire une petite victime de choix. Hop, on va lui imposer l'embargo aussi. Très bien. Hop, on va améliorer les relations avec Landshut. Je crois que là ici il y a une forteresse. Alors, allez, merci. Pareil, on va attendre que la dévastation soit descendue. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Hop. On va partir là-bas. Très bien. Lui, est-ce que je lui ai imposé l'embargo? Je crois que oui. Munich, Bohème, Nuremberg, parfait. Donc, on va lui envoyer des insultes. À l'outrager. Hop, hop. Hop, ici je vais vérifier. On est bien en amélioration. Là aussi, c'est très bien. Ah bah il était au max. Il est au max? Ah oui, parce que du coup on est allié à Ratisbonne, du coup il doit pas nous kiffer des masses. C'est pas grave, on va améliorer avec le Palatinat. Et après on améliorera avec la Saxe. Alors la corruption augmente. Pourtant on paye hein, pour lutter contre la corruption. Puis ça augmente pas de beaucoup. On peut se permettre. Alors je vais peut-être la maintenir. Faire légèrement baisser. Voilà, comme ça ce sera bon. Nous pouvons adopter une nouvelle doctrine. Dévotion annuelle et coût du développement. Alors ça c'est plutôt une bonne chose. Ça me va. Je peux prendre une nouvelle tech. C'est la tech diplo. Je la prends aussi. Ça se met bien tout ça. Ça se met très très bien. Alors, marché, église, caserne. Alors, les églises, ça rapporte pas grand-chose. Huit, sept, neuf, onze. Il y a quoi comme province? De la plaine, de la colline, de la plaine, de la plaine. C'est pas foufou ça pour développer. Enfin, il a 5 provinces, mais c'est pas foufou. Mais bon, il y a ça là qui est quand même vraiment pas mal. Allez récupérer. Après, on a ces petites provinces là. C'est pareil, elles sont pas trop mal. Généralement, il y a pas mal de devs là-dessus. Alors que je cherche hein, les provinces qui sont vraiment intéressantes à aller récupérer. J'ai l'impression qu'il y a surtout pas mal de forêts dans le secteur et très peu de terres arables. Ce serait presque dans les zones les plus sympathiques. Donc peut-être aller récupérer celle-ci au final parce que là il y a de la terre arable. Hop, âge d'or de l'Ottoman. Ça a commencé tôt. Oh ouais, ça ce serait une belle province à aller récupérer. Ça aussi, c'est allié à quoi? À Bade, à Munich et à Trois Ligues. On va commencer par les casser du bohémien. Allez, toi tu peux revenir, on a d'autres chats à fouetter. Constituer un réseau d'espionnage ici. Le bohémien, il va s'en prendre plein la tronche. Ils sont toujours rivaux. Ah, ah non, j'ai l'impression qu'ils ne sont plus rivaux. Du coup, l'Autriche ne viendrait probablement pas contre la Bohême. Ah là là. Agitation et productivité.
Ah cool. C'est bien ça. Ah c'est dommage ça que qu'ils soient plus rivaux l'un et l'autre. Pourquoi est-ce que t'es devenu trop puissant toi? Le voyant fou. 50 points de puissance admin ou 10 de dévotion? 10 de dévotion. Ça reviendra vite. On gagne 2,72 par an. En moins de 5 ans c'est fait. Dans 4 ans c'est fait. Ouais, l'Autriche ne viendrait pas. Vu qu'ils ne sont plus rivaux, c'est dommage. Mais bon, on sait jamais, sur un malentendu. Ottoman, Venise et France. Ah, ça fait chier ça. Pourtant, les deux, ils ont récupéré l'institution, hein, c'est pas le problème. Un d'innovation ou 5 de prestige et... Ah bah 10 de prestige et 5 de dévotion, bah oui, bien sûr. 2 de réputation diplomatique, je vais les prendre tout de suite. Je sais que c'est pas... Normalement le meilleur moyen c'est d'attendre qu'on ait les deux vassaux et ensuite de faire les deux en même temps quand on veut faire l'intégration. Mais qu'importe. Ensuite, diplomatie, pognon. Partage de connaissances. Alors le Palatinat serait chaud. 0,44. Ratisbonne 0,35. Saxe 0,39. Thuringe 0,52. Ah, j'ai l'impression que Thuringe c'est le plus intéressant de tous. Ouais, on va faire un partage de connaissances avec Thuringe. On va apporter des petits sous. Ah, je suis dégoûté que ce soit plus possible ici. Alors lui, il est allé à quoi? À Hongrie, Bourgogne, Augsbourg, Salzbourg et Württemberg. Il a comme rivaux Venise, la France et l'Ottoman. Ça fait chier. Ce serait bien que l'Ottoman soit trop gros pour l'Autrichien. Rapidement. Ça m'aiderait beaucoup. Bien, du coup, niveau arbre de mission, ça va être compliqué, je pense. Là, il nous faudrait 5 ateliers. Ça serait intéressant, ça, d'avoir 5 ateliers rapidement. Je crois que j'ai pas encore passé la tech. Ouais, il y a le temps de voir venir. Bien, et bah, on va aller regarder, je pense, les pays outragés. Il y en a quelques-uns quand même. C'est parfait, on va pouvoir faire un petit peu de ménage. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais aller étudier la suite dans l'entre-deux. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se sera encore plutôt bien débrouillé. On aura bien blobé. On fait 3 provinces par épisode pour l'instant. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt honnête. Pour un petit OPM, on a bien tiré notre épingle du jeu dans cette partie. 100 points diplo ou 1 de stab? 100 points diplo. Allez, d'ici à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien. Ciao, ciao!